7e, je vous emmène maintenant rencontrer Alain Mia, qui est juste le gourou des jus. C'est un peu la Rolls-Royce des jus à la française. C'est absolument délicieux. Hey oh. Ça va ? Et toi ? Très bien. T'étais déjà en train de faire un petit testing. Tu te regoutes tes jus pour être sûr qu'ils sont toujours aussi bons. De temps en temps, je les refais. Pour me les remettre en mémoire et puis pouvoir un peu aussi comment ils évoluent, en fait, surtout. D'accord. Mon travail, c'est d'être vraiment au début pour la sélection des matières premières et à la fin pour valider le produit. D'accord. Et c'est donc tout ce qui se passe au milieu, c'est technique, c'est... Donc j'ai des équipes avec moi et de belles équipes en plus. Mais voilà, il y a le début et la fin qui comptent. C'est-à-dire qu'aucun produit ne sort de l'unité de production tant qu'il n'y a pas ma validation, en fait, au niveau dégustation. D'accord. On va commencer par le cabernet, en fait. Hein, OK. Parce que... Je te laisse choisir l'ordre. On va commencer doucement, en fait, pour oui, aller... Doucement, mais sûrement. Voilà, mais pour finir sur la rhubarbe, parce que parfait. Comme elle a naturellement une petite salinité, en fait, il faudra d'accord. terminer là-dessus. Hein. Très bien. Donc là, généralement, les dégustations, on les boit, on les fait pas trop rafraîchis. Pourquoi ? Il ne faut pas le boire trop frais ? Si tu veux vraiment identifier... Tous les défauts en fait, d'un jus de fruits, il faudrait les boire à température ambiante, hein, à peu près à 17, à 18, à... Mmh. Ouais, grosso modo, c'est à peu près ça. Dès que tu veux un peu baisser ta sensation de sucre, en fait, tu vas plutôt te diriger vers du 13-14 degrés. Voilà. Mais si tu veux vraiment analyser un jus de fruits, alors, c'est un peu mon boulot, hein, je fais que ça toute la journée, donc on les fait à peu près à 18 degrés. Et à 18 degrés, vraiment, tu décortiques vraiment ta texture, okay. ta fin de bouche, ton début de bouche. Chaque jus de fruit fonctionne que s'il crée une surprise. Voilà. D'accord. Mais en même temps, il faut que ce soit très évocateur. C'est-à-dire que si tu mets le nez sur ton jus de fruit, il faut au moins que ça te déclenche un souvenir d'une scène de vie ou de quelque chose que tu as déjà connu, mais qui est en rapport avec ça. Un peu ça, ouais. Tu vois ? On peut goûter, là, c'est bon ? Oui, là, tu peux goûter, c'est bon. La procédure est enclenchée, tu peux y aller. Other people wanna try you, girl, and I hope you tell them where to go. 'Cause I've got so much here to offer. Il faut faire attention, on a souvent en mémoire la clémentine. La mandarine, il y a très peu sur le marché. D'accord. Donc là, tu verras, c'est très... Je te dis rien, je te laisse découvrir. Il y a une voilà, grosse déjà, rien qu'à l'odeur, c'est déjà très intense. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu retiens ? Un mélange d'acidité, de fruits très prononcés. J'ai juste envie d'avoir ça tous les matins pour mon petit déjeuner maintenant. Ouais. Ça va, Alain ? Ou j'ai pas dit qu'il fallait ? Non, c'est très bien. Non, mais en fait, on a chacun sa définition parce que comme tous les fruits que l'on fait sont généralement en mémoire olfactive ou gustative chez nos consommateurs, donc chacun y va avec son mot, son souvenir. Donc, tu pourrais me dire, ça me rappelle ma grand-mère, je te dirais oui, parce que ça peut être ça. Tu vois, bah donc, oui, parce importe. Que tu n'as pas les mêmes souvenirs. Mais... Parce qu'on n'a pas les mêmes souvenirs. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est voilà, il faut toujours que tu analyses en fait, ton début de bouche et ta fin de bouche. Et ma fin de bouche est plus acide que mon début de bouche. D'accord, ok. Et par contre, est-ce que tu as une sensation de gras ou de... Au début, oui. Ouais, comme voilà, si ouais. je croquais dans la clémentine. Mais exactement, dans en fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Everybody's got opinions, girl. Tu en es arrivé là. Hein. Depuis tout petit, c'était une passion pour toi. Pas du tout. Tu t'es découvert. Je me suis levé un matin. Non. En fait, moi, j'ai du monde du fruit. Donc, déjà, j'ai monté un verger quand j'avais 18 ans. Voilà, j'ai commencé par ça. J'ai transformé mes 6 premiers produits vers 97-98. Et je les ai envoyés, ces 6 premiers parfums, je les ai envoyés à. Je ne connaissais pas du tout les relais châteaux, 60 sommeliers, 60 relais châteaux différents. 55 se sont prononcés en disant ce qu'ils pensaient des produits. Ouais. Et l'histoire a démarré comme ça, en fait. Génial. Donc c'était... c'est une belle aventure, hein. Très belle aventure. Entrepreneur à succès. Je prends du plaisir. The American Dream, Alain. Alors là,
Alors là, attention. Ouais, parce que c'est particulier. Zénitude absolue. Le nouveau parfum, la rhubarbe. Donc, vas-y. C'est très fort. Franchement, qu'on a fini par ça. Ben, c'est la rhubarbe. C'est un pur jus de rhubarbe. Très acide. Donc, c'est surtout qu'en fait, la rhubarbe, ce n'est pas un fruit. Hein. Donc, on va utiliser les côtes en fait, d'une plante. Là, on travaille sur une rhubarbe qui est... Il y a plusieurs coupes en fait, de rhubarbe. Tu as une coupe au mois de mai, au mois de juin, mais tu en as une au mois d'août et une plus tard. Nous, on prend la deuxième coupe, donc c'est un peu du cousu humain aussi, mais pour avoir un peu moins d'acidité. D'accord. Et on va presser ces bâtons de rhubarbe. Et je vais un petit peu sucrer à 75 grammes par litre pour avoir quand même un équilibre. Ouais. Et, mais pour c'est pas un... que ce soit, ouais, que ce soit trop acide. Bon, Alain, je peux t'envoyer des suggestions de fruits alors. Exactement, tout ce que tu trouves. Allô, Alain, j'ai goûté un jus, mais vraiment, tu peux faire mieux. Et là, ça me fera réfléchir. Et là, ça te fera réfléchir.